Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bien mes nouvelles vidéos, nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le samedi 2 mars, il est environ 10h. Ce matin je me suis réveillée assez tôt parce que j'avais rendez-vous chez l'ostéopathe. Il m'est arrivé tellement de péripéties cette semaine, je vous le dis pas. L'ostéopathe m'a tout remis en place, mon genou, mon pied, parce qu'il y a une dame qui m'a poussé du RER. Du coup bah, je me suis retrouvée les quatre fers en l'air, voilà. Et mon genou et ma cheville se sont déboîtés. Donc là je suis allée voir l'ostéo, il m'a tout remis en place, j'ai encore une petite entorse mais franchement ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui le programme de la journée ça va être du shopping, j'ai envie d'aller à Ikea, ce qui paraît ils ont une nouvelle collection, je sais pas si elle est disponible mais on va aller voir ça. Faut que j'aille à Action, acheter 2-3 petites choses, je vais aller à Jiffy aussi parce qu'ils ont de nouvelles décorations, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et j'ai aussi je crois un bon d'achat chez eux donc pourquoi pas y aller. Je vais aller aussi à Pinky, j'ai aussi un bon d'achat. J'ai plein de bons d'achat donc on va faire les magasins, voilà, Primark, enfin voilà, ça va être un petit vlog shopping assez sympathique. Mais avant ça j'ai envie de vous parler d'un produit que j'ai reçu il y a quelques semaines. Je pense que je l'ai assez testé pour vous dire que c'est vraiment très très bien. C'est un produit qui peut pas mal vous intéresser. Donc c'est un déodorant de la marque Wild. Donc cette partie vidéo est en collaboration avec la marque Wild. Ils m'ont proposé de m'envoyer un déodorant pour que je puisse le tester et vous en parler. Vous savez que je suis très adepte de déodorants comme ceci avec la petite partie solide. Pour moi c'est vraiment indispensable d'avoir un bon déodorant, de ne pas se sentir mauvais, enfin moi c'est vraiment nécessaire. C'est vrai que j'ai toujours mes petites habitudes avec mes déodorants et là je me suis dit bah pourquoi pas le tester. Et du coup ça va faire 2 bonnes semaines et quand vous verrez cette vidéo ça va faire 3 semaines que je le teste et c'est extrêmement bien. J'aime à la fois le concept et la composition, je vais vous en parler un petit peu mieux. Donc en fait c'est un étui en aluminium où en gros vous pouvez recharger en fait votre petit produit, votre petit déodorant. Donc ça c'est top parce que moi ce que j'ai d'habitude c'est vraiment des déodorants qu'on, quand c'est fini bah on jette. Et là en fait pas du tout, on garde l'étui en aluminium et après on achète juste des recharges, ça c'est génial. Et ils m'ont envoyé 2 autres recharges, donc c'est noix de coco et vanille et ensuite c'est tout ce qui est frais, enfin voilà les odeurs qu'on adore, voilà, et franchement tu ne pues pas la journée. Et dedans en fait vous avez de l'huile de coco et du beurre de karité, donc c'est extrêmement doux, extrêmement hydratant aussi. Du coup pour monter le produit vous avez juste à tourner. Voilà, vous tournez, et après vous avez le produit. Et pour enlever quand c'est fini, en fait, vous retournez dans l'autre sens. Donc il faut vraiment bien le tourner. Et ensuite, vous enlevez le petit cache. J'essaie de le faire avec vous. Voilà, comme ceci, vous enlevez le cache. Hop, vous enlevez ça. Ça, c'est fait en bambou. Donc au niveau des déchets, franchement, on réduit au moins 200 tonnes de déchets par an. C'est énorme. Et après, vous avez juste à reclipser les petites recharges comme ceci. Et le tour est joué quoi, enfin, franchement c'est génial, le concept est super bien, les produits sont bien, c'est vegan, c'est cruelty free, c'est d'origine naturelle aussi, il n'y a pas assez d'aluminium, il n'y a pas de sulfate, tout le bordel que je n'aime pas là, c'est vraiment très bien, c'est vraiment pas cher par rapport à ce que je vois en surface et par rapport à ce que je prends d'habitude. Et en plus j'ai un code promo pour vous, ça vous fait moins 20% de remise en plus, soit vous passez directement par mon lien, donc la remise est déjà appliquée, soit vous passez par leur site et vous mettez directement mon code promo, essayez, testez et ensuite après vous avez juste à racheter les recharges. Et si vous aimez bien, je crois qu'il y a un système d'abonnement comme ça où je vous envoie en fait les recharges comme ça par vos postales, vous n'avez pas à vous en occuper. Et vous avez différents étuis, vous en avez un noir, rose et bleu dans mes souvenirs. Et au niveau des odeurs, il y en a vraiment plein sur leur site, donc n'hésitez pas à aller checker leur site. C'est vraiment très bien, c'est approuvé par ma personne. Je fais très attention aux déodorants que je prends. Si je commence à puer, je vous le jure, je pète un câble. Je vais vous montrer juste la texture. C'est vraiment sans trace blanche aussi, pardon. J'ai pas précisé, mais c'est sans trace blanche. C'est bien hydratant. Genre ton aisselle est hydratée, c'est un truc de ouf. Parce que j'avais pas ça dans les autres déodorants. Là, je l'ai et franchement, c'est hydraté. C'est tout doux. Ça ne fait pas de trace blanche sur les vêtements noirs. Alors ça je suis mais tellement contente. Et je viens de voir, je n'avais pas du tout vu dans le carton, mais je l'ai entendu quand j'ai repris le carton, mais on a un déodorant en forme de stick. Ils sont super bons. Coconut vanilla, bah oui, oui ça sent bon. D'ailleurs Elisa, mais ils font des déodorants en stick. Mais ça c'est génial ça, pour mettre dans le sac à main, c'est un truc de ouf. Donc merci beaucoup à la marque d'avoir envoyé ça, ils font aussi des gels douche by the way. Donc si vous voulez checker sur leur site, n'hésitez pas, le lien est en barre d'information. Donc voilà, on va aller faire les magasins. J'ai trop hâte de voir si à Ikea la nouvelle collection. Donc écoutez, let's go, c'est parti. Je suis en voiture, direction Ikea, il pleut, il fait moche, c'est vraiment un temps de merde. Et j'ai perdu mes clés. Genre je ne sais pas où sont mes clés d'appartement, donc heureusement j'avais le double de mes voisins. Mais je sais pas, pourtant je les ai utilisés genre ce matin, hein, mais impossible. J'ai même fouillé dans ma poubelle pour voir si je les avais fait tomber dans ma poubelle parce que j'ai vidé mes poubelles. Un peu la merde. Bon allez, on va à Ikea, voir s'il y a toutes les nouveautés. J'espère qu'il n'y aura pas grand monde, mais un samedi à 11h et quelques. Donc il y avait ce genre de petite table, elle était trop mignonne en vert. Il n'y a pas encore... Ah si, il y a la lampe.
cette lampe là, je l'ai vue, elle est trop jolie. Je voulais la mettre dans mon bureau parce que la lumière était plutôt pas mal. C'était plutôt bien ça. Ça n'est pas très cher, je trouve. Même pour la chambre. Dans ma chambre, j'aimerais bien en mettre deux de chaque côté, mais je savais pas trop quoi prendre. Et ça aussi, je voulais les prendre, mais je les trouve jamais. Donc le but, c'est de trouver ça et aussi des petites lampes. Soit je vais en faire une, vous savez, les lampes champignons. Soit bah, je vais prendre un truc comme ça, parce que j'aime beaucoup. C'est très joli. Il y a ça aussi, une petite nouveauté, c'est des assiettes. C'est des nattes barbe. C'est très joli. Qu'est-ce que c'est beau. J'aimerais trop avoir une cuisine comme ça. Avec la hotte au milieu, là, comme ça. Et les petites boîtes, là, toutes nouvelles aussi. Les Bandrooms. Avec des chiffres, là. C'est super mignon. Elle est un peu chère, genre 10 euros la boîte, mais très, très chou. Je l'avais pas vu, ça, avant. En gros, vous l'avez en noir et en vert. Je savais pas du tout. C'est plutôt sympa. Et là, c'est... Ouais, c'est blanc. Ouais, c'est les basiques. Mais j'ai jamais vu ça. Et là, bah, y a toutes les plantes, bien évidemment. Je suis en train de craquer sur ça. C'est magnifique. Même celui-là aussi, il est trop, trop beau. Il y a plein de petites tulipes en bas, là. Celle-là, est trop chou. Ils ont fait une nouvelle collection avec ça. C'était vraiment pas mal. Là aussi, le petit pulvérisateur. Et le mini-mini arrosoir. Il est archi beau. Et il est le grand aussi à côté. Genre, énorme. Trop beau. Et ça aussi, c'est nouveau. Je sais pas comment ça s'appelle. Dax Jus. Je reviens d'action, j'ai fait un craquage total. Il y a un énorme haul action du coup qui va arriver, je pense mercredi. Et du coup je me suis pris mon petit chalet, il était offert vu que c'était mon anniversaire, avec le programme fidélité. Donc petit chai latte, on se pose au Starbucks. Et bien maintenant que le chai latte a été bu, on va aller à Belle Épine pour faire les petits magasins, donc le Jiffy. J'aimerais bien voir leurs meubles là parce qu'ils ont des nouveaux meubles, de la nouvelle déco assez sympathique. Et si quelqu'un veut bien me laisser passer, personne ne me laisse passer. On va aller à Jiffy, on va aller à Pinky aussi, je vais voir s'il y a des trucs qui m'intéressent parce que j'ai un bon d'achat de 10 euros je crois. Et Primark surtout, voir s'ils ont la collection de printemps que je fais toutes les semaines Primark, vraiment toutes les semaines. Je passe et tout, genre vite fait, voir s'ils ont la nouvelle collection quoi. Et ils l'ont jamais, avec les fleurs et tout, enfin je la vois partout sur les réseaux. Mais alors en France ici, c'est walou, kutchi, nada. Et après du coup, je vais faire les courses aussi. Mais ça, vous l'aurez pas le retour de course dans cette vidéo, vous l'aurez dans une prochaine. Comme ça me fait plusieurs petites vidéos parce que là, avec le boulot que j'ai, je sais pas si j'aurai le temps à chaque fois de filmer. Et en plus, je vais partir quelques jours en vacances, donc j'essaie de prévoir des petites vidéos au cas où si c'est un peu la merde, quoi. Bah du coup, c'est parti pour Jiffy, des idées de génie. C'est vrai que genre Jiffy, j'ai jamais vraiment aimé. Il y a tout le temps des trucs un peu cheap et un peu cher. Donc, cher, on peut retrouver moins cher ailleurs quoi. C'est vrai que je vais jamais à Jiffy. Ça me... Oh, par contre, ça c'est hilarant ça. Ça c'est hilarant. Ça j'aime bien. Mais sinon, le reste, enfin, j'ai jamais vraiment trouvé quelque chose quoi. Pour tout ce qui est aménagement extérieur, la foire fouille et Jiffy, je trouve qu'ils sont vachement bien. Il y a quand même de la qualité, des trucs pas trop chers. Comparé à Truffaut par exemple. Genre ça, je trouve ça trop mignon. Petite boîte de rangement, enfin assez choupi. Et aussi à peu près la même chose qu'il y a à Action. J'aime bien ça par contre. Très mims. Alors ça, je trouve que c'est extrêmement mignon. Et je crois que c'est solaire en plus. Oui, c'est trop bien. Oh non, c'est trop beau. Et j'ai 10 euros en fait chez eux. J'ai un petit bon de 10 euros du coup chez eux. Mais ça, j'aime beaucoup. Même ça, c'est beau. Mais alors, où est-ce que je vais foutre ça? Ah ouais, mais c'est vraiment tout petit. Je crois que c'est un peu plus gros. Non, c'est tout rikiki. En soi, j'aime bien, c'est mignon. Mais je sais pas où le foutre ça, là. C'est génial parce que c'est solaire.
pas trop besoin de l'accrocher en soi parce qu'on peut le poser. Et je peux peut-être le mettre, vous savez, sur la palissade où il y a les petits oiseaux qui viennent. Et ça s'allume. Par contre, je sais pas en quelle couleur ça s'allume. Blanc chaud. Et il y a aussi le Hello, là. Mais il n'y a pas d'autre garden. J'ai vu ce miroir avec plein de DIY. Genre, soit le laisser comme ça, soit mettre des petites perles autour. Ça, par contre, c'est extrêmement mignon. Enfin, trop chou. 40 euros. Petite chaise comme ça. Mais il n'y a pas les... ce que j'avais vu. Ah, une petite étagère nuage. Il y a ça aussi pour la chambre. C'est hyper bien parce que c'est plat. Du coup, ça passera avec le vidéoprojecteur. C'est extrêmement beau et pas cher. C'est genre 14 euros. Dégoûté parce qu'en fait, le bon, il est valable qu'à partir de 30 euros d'achat. Donc, c'est chiant. J'avais beaucoup aimé cette collection, là. Chevet Gaïa, c'est celui-là. Et il y a aussi le meuble au-dessus, là. Mais il n'est pas présenté. Et bah, du coup, on va s'attaquer à Primark en espérant qu'il y ait la nouvelle collection printemps. Mais j'ai aucun espoir. Leur collection florale, là, comme ça, elle est vraiment trop jolie. Bon, il y a la collection, mais c'est plus pour tout ce qui est torchons, etc. Mais il n'y a pas vraiment ce que j'avais vu au niveau des tasses, etc. De la vaisselle, il n'y a pas tout. Je viens de rentrer, il fait nuit. Genre, vraiment, c'est un temps de merde. Et ma plante, là, je vais vous la montrer, elle me fait tellement pitié. Elle devient toute noire et jaune et je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas un manque d'eau parce que je l'arrose comme d'hab. Enfin, ça fait 10 ans que je l'ai. Du coup, comme d'hab, mais je pense qu'elle a dû soit prendre froid, je sais pas si c'est possible, soit juste la tige, bah ça faisait, ça faisait trop longtemps qu'elle était là, j'en sais rien. Si vous connaissez en plante, n'hésitez pas. Mon chacha, je t'ai acheté plein de pâtés, tu vas être trop content. En plus, c'est ta pâté préférée. Donc écoutez, ma plante est dans un état. J'ai acheté tout ça. Voilà, donc le hall, il y aura deux halls, je pense. Il y aura un hall shopping avec un tout et un hall action, parce que le hall action il va être trop long sinon. Et après j'ai mes courses. Donc ça je ferai aussi un hall retour de course que je combinerai avec un autre retour de course parce que j'essaie de faire 40 euros, parce que j'avais deux bons d'achat, 8 euros de réduction des 40 euros d'achat. Donc en gros je vais y retourner lundi pour acheter le reste, parce que là j'ai pas acheté grand chose, j'ai beaucoup acheté pour Prince par contre. Genre beaucoup de pâté, il y a au moins 20 euros de pâté. Donc il n'y a pas grand chose après, le restant c'est pas grand chose. Bon, là, alerte générale, mon copain arrive dans moins d'une heure. Du coup, il faut que je range l'appart. On va vite ranger l'appart. J'ai mangé ma tarte à l'abricot qui vient de chez Carrefour. Oh, incroyable, c'est des petites tartes à 1,15€. Elles sont extrêmement bonnes. Mon chacha, comment ça va mon cœur? Eh, ça fait longtemps que t'as pas vu. Ça va? Tout va bien? Regardez-moi ce bordel. Ça va mon amour? T'as fait quoi de beau aujourd'hui? Mon amour, tout ça, ciao. Faut que je range aussi mes jeux. Je vais peut-être jouer avec, avec mon copain à certains jeux. On va peut-être rejouer d'ailleurs à ça, parce que ça, c'est vachement bien. Donc, faudrait que je les range. D'ailleurs, faut que je range en fait. Faut que je range mon appareil à soupe. Faut que je nettoie un petit peu aussi, parce que c'est un peu. Non, c'est pas sale, ça va. Franchement, j'ai nettoyé il y a pas longtemps. Pourquoi tu râles? Mon amour de chacha. Je vais peut-être changer l'eau des fleurs aussi. Et après, faut que je fasse quelque chose là. On va tester ces fameuses. Pâté pour Prince, parce qu'il n'avait pas goûté ce goût-là. Ta tête, c'était trop chou. Oui. Sens, t'aimes bien? Oh, ça sent bon, hein. Ça sent la pâté, oh. Ouais. Faut vraiment que je nettoie ton coin, là, parce que c'est pas possible. Là, t'as foutu des croquettes de partout. Il a l'air d'aimer. Écoutez, on verra s'il a la chiasse ou s'il vomit. En fait, j'en ai d'autres de pâté. Le problème étant, c'est qu'il n'aime pas ce con. Voilà. J'en ai des pâtés, hein. J'en ai plein là. J'en ai une vingtaine. Sauf qu'il n'aime pas à ce goût-là. Là. Le homard et tourteau, il n'aime pas ça. T'es dégoûté. Genre, j'en avais acheté plein. Mais il est pas. Voilà, il n'est pas très demandeur quoi. Et ça, en fait, si vous vous demandez, c'est les gamelles programmables que j'utilise des fois quand je rentre un peu tard. Genre, je rentre vers 23h et du coup, il veut sa pâtée à 18h. Bah, je programme en fait la pâtée. Donc en gros, je mets la pâtée le matin. Je programme pour que ça s'ouvre à 18h. Et à 18h, ça s'ouvre et après, il peut manger. C'est vachement bien. Même pour partir en week-end, des fois, c'est plutôt pas mal quand tu veux partir une journée ou deux. Bah, t'as ça, c'est vraiment bien. J'avais utilisé ça à Athènes.
Et ça, c'était vraiment top pour lui donner sa pâtée et tout. Franchement, très très bien. Ça va, Prince, tu te régales ? Bon, voilà, mon copain va pas tarder, donc je vous montre enfin l'appartement rangé avec les affaires que je dois filmer du coup peut-être demain ou après-demain. Ça sera en ligne bientôt du coup sur ma chaîne YouTube. Voilà, bon, tout ça, ça c'est propre, mon bouquet est toujours incroyable. Prince a bien aimé sa pâtée, je suis très contente, il s'est régalé, genre il s'est bien léché après, enfin voilà. Voilà, il continue. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo shopping avec moi. J'espère que vous avez pu voir quelques nouveautés. Je vous ai un petit peu spoilé sur Instagram. Je vous ai montré ma petite tasse fraise. Vous l'avez pas vue. J'ai spoilé du coup sur Insta. Tout le monde était dégoûté parce qu'il y avait plein d'abonnés qui étaient allés à Primark. Ils n'avaient pas vu la tasse fraise. Et moi, je l'ai vue. J'étais trop contente. Donc bref, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est ElisaBRTOff. À vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.